Ça y est, la première neige est là. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon jardin, ta gueule est pelle, Marie nous attend pour une première rando-neige. Eh oui, aujourd'hui, départ pour la vallée de Lubaye en côtoyant le magnifique lac de Serre-Ponçon sous les projecteurs du soleil du matin. Et nous voilà à Méolan-Rovel, coquet petit village de montagne blotti derrière son rocher surmonté de son clocher. La commune se prolonge dans le joli vallon de la Verque où des moines défricheurs s'étaient installés, souvenez-vous. Nous y étions en août 2018 pour l'ascension de Roche-Bénite et nous avions visité l'abbaye qui a donné son nom au vallon. Mais aujourd'hui, nous nous arrêterons dans le petit hameau restauré de Saint-Barthélemy. Alors Pascal et Marie nous ont concocté un super programme. Premier objectif, la cabane du Jat au pied du pic de Bernardet et peut-être le col et le pic de Bernardet si le temps et les conditions le permettent car nous n'avons pas pris les raquettes. Mais très vite, la neige fait son apparition. Et là, Guillaume Apollinaire dirait, les sapins en bonnet pointu, de longues robes blanches revêtues, comme des astrologues, saluent leurs frères abattus. C'était l'instant poétique de Dobram 05. Un sourire. À 2000 mètres d'altitude, le manteau neigeux nous fait comprendre que nous nous arrêterons à la cabane du Jat, dont notre ami Pascal a récupéré la clé. Mais finalement, on est bien mieux dehors pour casser la croûte. Allez, régalez-vous les yeux de cette première neige.